Jean-Billy, nous allons achever cette enquête sur d'où Jésus vient-il. Et nous allons poursuivre avec Luc. Luc, je laisse toute la place. Oui, il nous reste deux points, tout simple. Enfin, tout simple. Jésus vient d'en haut, il vient du ciel. On a vu d'où il vient dans le temps, il vient de l'éternité. Maintenant, d'où il vient dans l'espace, il vient d'en haut, il vient du ciel. Jean chapitre 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Alors, Luc, j'ai une question qui me vient, c'est personne ne reçoit son témoignage. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a un certain cynisme. Il y a un certain cynisme, en particulier à propos de la mort. C'est-à-dire que nos contemporains, mais les contemporains de Jésus n'étaient pas tellement différents, parce qu'en 2000 ans, l'homme n'a pas tellement changé. Je pourrais même dire qu'en 5000 ans, l'homme n'a pas tellement changé. Et sur les grandes questions existentielles, on en est toujours au même point. Alors, qu'est-ce que l'on dit souvent? Personne n'est jamais revenu de l'autre côté de la tombe. Même si quelqu'un dans la région ici, en Normandie, avait écrit « Mémoire outre-tombe ». Mais en fait, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Personne ne sait. Bah si, Jésus sait. Jésus sait. Il n'est pas prisonnier de la connaissance terrestre. Il n'est pas prisonnier, même s'il a pris une existence comme un autre terrestre. Il vient du ciel. Alors, quand la Bible parle du ciel, est-ce qu'elle veut parler géographiquement? Alors, dans un sens, oui, parce que, par exemple, quelqu'un qui veut louer Dieu, adorer Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les mains vers le ciel. Et lever les mains vers le ciel, c'est sortir de la pesanteur de la terre. Nous sommes attachés à cette terre. Il y a la gravité, donc physiquement, nous sommes attachés à cette terre. Si j'étais sur la Lune, je serais moins attaché, parce que la planète est plus petite. Donc je pourrais faire des sauts sur la Lune. Mais sur cette Terre, je suis attaché. Mais depuis toujours, l'homme élève des édifices qui pointent vers le ciel. D'ailleurs, une histoire célèbre de la Bible, c'est la tour de Babel. Oui. L'homme voulait construire une tour qui va jusqu'au ciel, atteindre le ciel. Puis bien sûr, l'homme a toujours rêvé de voler. Et on y est arrivé avec les avions et même maintenant avec les fusées. Mais même quand on va, comme Gagarine, qui était un petit peu dans l'hyperespace, à l'échelle de l'univers, on est quand même tout proche de la Terre. Oui. Donc cette notion de ciel, mais c'est vrai que dépasser l'atmosphère, la stratosphère, c'est pointer le ciel. Mais surtout, ce que la Bible veut dire par « Jésus vient du ciel », on ne peut pas localiser Dieu à un endroit géographique. Mais Jésus vient du ciel, c'est-à-dire qu'il vient d'au-delà des contingences terrestres. Et surtout, il vient d'au-delà ce qui pollue cette terre. Et ce qui pollue cette terre, ce n'est pas tellement la pollution chimique dont on parle tant. Ce qui pollue cette terre, c'est le péché, le mensonge, le vol, la haine, la violence, les guerres, les maladies et la mort, l'épouvantail, ce sont les choses qui polluent notre terre. Mais Jésus vient du ciel et il nous dit, il nous donne des informations, il nous parle à partir du ciel. C'est pour ça qu'il peut dire, celui qui vient du ciel est aux yeux de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais si nous sommes cyniques, nous ne recevons pas son témoignage. Alors pour répondre à ta question, personne ne reçoit son témoignage, c'est pas tout à fait ça, puisque je n'ai pas noté là, mais le verset d'après, Jean chapitre 3, verset 32, « Mais à ceux qui ont cru ». C'est-à-dire que naturellement, on ne reçoit pas le témoignage de Jésus-Christ, mais par la foi, nous recevons son témoignage. Et
à ce moment-là, bien, il nous fait la grâce aussi de pouvoir participer à la réalité céleste, qui sont la paix, la joie, l'amour, le pardon, des choses qui viennent du ciel. Maintenant, Jésus vient du ciel, mais surtout, il vient du Père. Et il a souvent insisté sur le fait qu'il vient du Père, et même il est l'envoyé du Père, l'émissaire du Père, le don de son amour. Pourquoi le Père nous envoie son Fils? Parce qu'il nous aime. Alors là, il y a de nombreux versets dans les évangiles. Jean chapitre 5, verset 36. Toujours Jésus qui parle. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean le Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Alors, une question, Luc, c'est quelles sont les œuvres que le Père a donné à Jésus d'accomplir? Alors, les œuvres que le Père a donné à Jésus d'accomplir, ce sont les œuvres en particulier qu'Ésaïe avait prophétisées. On le verra dans une autre émission sur pourquoi Jésus est-il venu. Et le Seigneur m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour redonner la vue aux aveugles. Voilà ce que l'on attendait du Messie, parce que ça avait été prophétisé 700 ans plus tôt par le prophète Ésaïe. Et Jésus dit, pour prendre une expression moderne, « Je coche toutes les cases. » Toutes les cases de ce que Ésaïe en particulier a prophétisé, je les coche. Que ce soit dans ma parole publique, mon enseignement, annoncer une parole de liberté, que ce soit dans les miracles et les guérisons que je fais, et pour ce qui est de délivrer les captifs, le fait que Jésus chassait les démons. Il coche toutes les cases. Alors, même si vous ne voulez pas croire, parce que vous dites que je suis un affabulateur dans ce que je dis, bah regardez au moins ce que je fais. Et citez-moi le nom d'un autre prophète qui a fait tout ce que je fais. Même Élisée, peut-être le prophète d'Israël qui a fait le plus d'actes miraculeux, n'a pas fait les choses que Jésus a faites. Donc il fait les œuvres de son Père. Elles témoignent. Jean chapitre 6, verset 46. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Il a déjà vu, Jésus est fils de Dieu, il vient de Dieu. Mais la relation entre le Fils, Dieu le Fils et Dieu le Père, sont bien une relation de fils. Alors là aussi, il faut que je précise, quand la Bible dit fils de Dieu, elle ne veut pas dire fils de Dieu par la chair. Certaines religions disent à ce moment-là Jésus est un bâtard. Non, c'est pas ça. Le Fils, c'est celui qui prend à son compte les objectifs du Père. Et là, peut-être faut que je précise que chez les Romains, par exemple, il y avait ce qu'on appelait la cérémonie d'adoption. Donc, un père romain enfantait un enfant, c'est pas un fils, c'est un enfant. Et vers l'âge de 10 ans de l'enfant, soit le père reconnaissait comme fils cet enfant, soit il ne le reconnaissait pas comme fils. C'est ce qu'on appelait la puissance paternelle. Et le père pouvait, leur âme sensible, quitter votre écran. Le père pouvait décider de faire mourir cet enfant. C'est terrible. Donc, soit il l'adoptait comme son fils, même si génétiquement c'était vraiment son enfant, soit il disait oui, cet enfant a un avenir prometteur, je l'accepte comme fils. Soit la loi l'autorisait à dire à cet enfant, vraiment, il n'annonce rien de bien, je m'en débarrasse. Oui, quand même. Donc quand Jésus dit je suis le fils, il ne dit pas je suis l'enfant. Jésus n'est pas l'enfant de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Voyez. Et cette relation père-fils, c'est une relation de reconnaissance mutuelle.
D'accord. Donc, ce que Jésus veut dire, c'est que, il veut dire que personne n'a vu le Père, sinon c'est lui qui vient de Dieu. Et oui. Il n'y a que Jésus qui peut nous dire, pour ça qu'on parle de révélation. La Bible est la révélation de Dieu à l'humanité. Parce que tout ce que moi je peux dire sur Dieu, avec mon intelligence, ce sera des spéculations. Et quelqu'un à côté de moi peut dire autre chose. Et personne ne peut démontrer qui dit le vrai, qui dit le faux. Et peut-être que tous ceux qui parlent ne disent que du faux. Le seul qui peut nous dire le vrai, bah, c'est celui qui en vient. Donc Jésus dit, je suis pleinement reconnu par le Père, que j'appelle mon Père. Et lui me reconnaît pleinement. Il m'appelle son Fils. Donc, c'est la reconnaissance mutuelle entre le Père et le Fils. Jésus est réellement l'envoyé du Père, l'envoyé de Dieu. Et je ne peux pas conclure sans lire le verset clé de l'Évangile, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Jésus n'est pas que l'envoyé du Père, un peu comme l'État français va envoyer un ambassadeur pour une mission diplomatique dans un pays ou un autre. Jésus est le don du Père. Jésus donne son Fils unique, Jésus, celui en qui il met toute son affection et en qui il met toute sa confiance. Voilà d'où vient Jésus. Il vient de l'amour de Dieu. Ben, c'est bien que je pourrais dire que m'amène à ce que tu viens de dire. Donc, nous achevons le thème sur l'enquête d'où Jésus vient-il. Nous retrouverons sur une autre enquête. Donc, on souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.